Bienvenue à tous à ce journal sur Canal Congo Télévision. Voici l'actualité. Ouvrons ce journal avec d'abord ce chapitre électoral. Poursuivons sa campagne de la Grande Orientale. Dans le cadre de sa campagne électorale, le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi, était ce jeudi à Iziro dans les Hauts-Touélé. Bien avant, il a été accueilli chaleureusement par une foule immense comme partout où il est passé pour dans les cadres plutôt de cette campagne électorale des élections présidentielles qui se pointent à l'horizon d'ici le 20 décembre. Nous y reviendrons. Et Anyoki, dont Loma Indombé, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Il est également président du mouvement des libérations du Congo et membre du présidium de l'Union sacrée. Il est donc, lui, déterminé pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence pour les élections présidentielles du 20 décembre prochain. Voilà, devant une foule immense, il a appelé la population à voter les candidats numéro 20. Je vous invite à les suivre dans cet extrait qui a été choisi pour vous par Gisèle Etoukou. Et la lobby, Tokosa, la Nyoso, Maso, ce qu'il faut attendre la Congo Mobimba, na pirogue, na avion, na hélicoptère, même na punda FIFO, pour topé ça, Sango, que Bissot tout au voté, Félix Antoine, tu sais qu'il y a des Tilombo. Voilà, n'y 100% vous sentez confiant, Sima, la présidente de la Bissot, qui s'est qu'elle dit. Pour la Ningaï. Numéro Naye. Et allez, numéro Boni. Numéro Boni. Voilà, numéro 20. Et puis, Mboula est bêta, et bêta te. Tosengeli, na bavoua, ya moko, na moko. Bonjour, Landa. Parce que vous avez bien, de toute manière, pour gagner, hein, Batoya Simane. Non. Vous n'avez pas de vote. Bah autant va vote moko. Il faut ma voix naïe. Toujours dans les cadres de la campagne électorale, la fondation Ieli Moulangi Edi et les mouvements de libération du Congo, fédération de la FUNA 1, ont organisé une marche de soutien aux candidatures de Edi Ieli Moulangi, candidat numéro 727 à la députation nationale FUNA et 77 au provincial dans la commune de Ngiringiri. C'était mardi 28 novembre dernier. Fiston Galé et Georges Libengue étaient dans sa suite. Suivez. C'est une longue marche de soutien tous azimuts qui dit tout sur l'espoir qu'incarne l'élection de Edi Ieli, candidat numéro 707 pour le compte du mouvement de libération du Congo à la législative nationale à la FUNA et 77 au provincial pour la commune d'Ingiringiri, c'est mardi 28 novembre. La marche voulut pourtant restreinte, mettant aux prises les quelques représentants des 300 structures de la Fondation Ieli Moulangi Edi FIM et les partisans du MLC FUNA 1 en vue d'exprimer leur soutien indéfectible à Edi Ieli Moulangi, s'est vite transformé à une énième démonstration de force. Nene Mbala est superviseur de FIM et initiateur de cette marche. Ayant pour point de départ le bureau de la FIM dans la commune d'Ingiringiri, les marcheurs ont emprunté les avenues Gambela, Kasavubu, Force Publique, Bongolo, Kimwenza, Victoire, Pozo et Enseignement avant de chiter au siège de l'interfédération du MLC Ville-Province de Kinshasa où un message de soutien aux candidatures de Edi Ieli Moulangi a été lu devant les responsables kinois du parti de Jean-Pierre Bemba. En tout cas, l'élection prochaine de Edi Ieli Moulangi, candidat numéro 727 national à la FUNA et 77 provincial Ngiringiri, n'est fait l'objet d'aucun doute. Le papa social n'aura fait que récolter les fruits de sa générosité légendaire. Papa,
Après les sièges de l'interfédéral MLC ville-province de Kinshasa, les marcheurs, fiers d'accomplir cet exercice, comptent l'achever le 20 décembre en votant massivement les candidats Eddy Yelimoulangui et les MLC à tous les niveaux. Et le candidat député national numéro 575 à la Lukunga et 44 à la députation provinciale dans la commune de Kinshasa, Chris Cicéron Bokumba Bofaya, était en campagne du porte-à-porte ce mercredi 30 novembre 2023 dans la commune de Kinshasa. La population qui l'a accueilli avec joie et enthousiasme lui promet son vote le 20 décembre prochain. Suivez les détails de Gisèle Etoko et Mouron Djambé. Comme dans ses habitudes quotidiennes, Chris Cicéron Bakumba Bofaya, candidat député provincial numéro 44 dans la commune de Kinshasa et candidat député national numéro 575 à la Lukunga, est toujours très proche de la population. Et c'est dans une campagne électorale de porte à porte qu'il s'élance. Il ne fait jamais le tri de fréquentation. C'est avec enthousiasme le candidat numéro 44 dans la commune de Kinshasa et 575 à Lukunga a parcouru tous les quartiers, avenues et rues de la commune de Kinshasa pour sensibiliser à un vote utile, c'est-à-dire le numéro 44 dans la commune de Kinshasa, Chris Cicéron Bakumba Bofaya. Partout où il est passé pour distribuer des flyers, Chris Cicéron Bakumba Bofaya a été accueilli comme un sauveur. Toute la commune de Kinshasa était debout, tant pour les ovations que des cris de joie. Les femmes ont même étalé du pagne à son honneur. Philanthrope, les candidats numéro 44 à Kinshasa et 575 à Lukunga, Chris Cicéron Bakumba Bofaya, ne pouvaient rester insensibles à une famille ayant perdu l'un de leurs. Son assistante était au rendez-vous. C'était un véritable échange entre le candidat numéro 44 à Kinshasa et 575 à Lukunga et la population de la commune de Kinshasa. Je suis là, comme je l'avais dit, depuis 8 heures, je suis en train de surquiller les quartiers et les rues de la commune de Kinshasa pour parler à ma base, indiquer trois messages. Le premier message, s'excuser autant que je le fais pour ces ratés, mais qui pour nous était une réussite parce que, comme je l'ai dit, c'était une démonstration des forces. Et deuxièmement, dire merci, parce que de telles situations ne peuvent arriver que lorsque les gens décident de vous porter dans leur cœur. Alors, Maître Christ n'est pas spécial. Ce sont ces mamans de la commune de Kinshasa qui font de moi un homme spécial. Moi, je n'ai que la grâce qui vient de Dieu. C'est le Seigneur qui touche leur cœur pour mettre leur confiance en Maître Christ Cicéron Bakumba. Et j'ai dit, je dois venir dire merci à tous ces gens-là qui m'ont porté dans leur cœur et qui continuent à me porter dans leur cœur pour qu'ils comprennent que je suis avec eux autant qu'ils sont avec moi. Aujourd'hui, je fais certains quartiers. Demain, après-demain, on fera d'autres quartiers jusqu'à rencontrer toutes les mamans et toute la population de la commune de Kinshasa. Ainsi, quand je termine ça, je pourrai maintenant aller vers d'autres communes pour pouvoir faire des rassemblements, des campagnes, essayer de communier avec la base qui est acquise à Maître Chris Cicéron Bakumba. Un rendez-vous est pris au jardin botanique de Kinshasa où Chris Cicéron Bakumba Bofaya, candidat député national numéro 575 à Lukunga et candidat député provincial numéro 44 dans la commune de Kinshasa, va très bien échanger avec la population qui le porte à cœur et lui rassure leur vote le 20 décembre 2023. Ouvrons cette fois-ci les chapitres sur l'environnement. C'est pour la 28e fois que les dirigeants du monde et autres experts se retrouvent dans la ville de Dubaï pour cette fois-ci aux Émirats Arabes Unis pour échanger sur les questions qui continuent à préoccuper l'humanité. Et c'est ainsi que l'environnementaliste congolais Jean-Marie Béa appelle à la reconnaissance internationale de la RDC, considérée comme pays solution dans la lutte contre les réchauffements climatiques lors de ces sommets. Ainsi, invite-t-il les responsables politiques congolais à prendre des bons les corps cette affaire. Il est au micro de Maxime Macabou.
Dans ces assises, il faut qu'il y ait une reconnaissance. Il faut qu'il y ait une reconnaissance au premier plan de notre pays face à ces problèmes climatiques. Tous ceux qui sont en train de dire, c'est des charlatans. Quand vous y allez en France, vous payez la taxe carbone, mais cette taxe ne nous est jamais reversée. Cette taxe s'arrête en France, s'arrête dans des pays émetteurs. Parce que vous devez savoir que toute l'Afrique émet, par exemple, 3,49% par rapport, par exemple, à la Chine qui émet 23% et par rapport aux États-Unis qui émet 20% et par rapport à l'Union européenne qui émet, par exemple, 19%. Donc, l'Afrique tout entière émet que 3,49%. Et dans l'ensemble, les pays qui apportent la solution, c'est notre pays. C'est notre pays, on ne va pas les considérer les autres comme les Gabons, mais notre pays, comme il est revenu grâce au président, d'ailleurs, Félix Tshilombo, que nous sommes revenus au premier plan, parce que c'est nous qui, avant, c'était presque négligé, c'est pourquoi beaucoup de peuples congolais ne savent pas, ignorent ces problèmes de réchauffement climatique, alors que c'est un problème majeur, parce que si on ne tient pas compte de cela, le monde va à sa perte. Nous aurons le feu qui va se déclencher et vous avez vu d'ailleurs les résultats, les conséquences de Covid. Notre pays a un rôle vraiment majeur, un autre pays, et j'appelle aux responsables politiques que nous sommes. Toujours à propos de ces sommets des COP 28 qui se tient au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, les Congolais attendent des rétributions considérables pour les rôles des régulateurs du climat que joue la RDC à travers ses forêts et d'autres biodiversités à Dubaï où se tient cette activité. Suivez cet élément. À ces massifs forestiers, la République démocratique du Congo est qualifiée de pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est à ce titre qu'elle entend tirer les dividendes financiers pour permettre aux populations qui dépendent totalement des forêts de trouver d'autres alternatives afin de préserver les forêts qui constituent le poumon du monde. Nous contribuons à l'atténuation du climat dans le monde. Mais il est tout à fait normal que nous puissions attendre une rétribution juste et équitable. Parce que si aujourd'hui, par malheur, la République démocratique du Congo levait l'option d'exploiter ces forêts, vous voyez ce que ça va faire sur la question climatique. Il va encore avoir un grand déséquilibre. La RDC est appelée à garder jalousement ces massifs forestiers pour le bien de l'humanité. Mais en contrepartie, nous attendons une rétribution juste. C'est-à-dire que les pollueurs qui aujourd'hui se sont développés en détruisant leurs forêts, puissent partager la contrepartie de leur développement avec les pays qui sont sous-développés et qui pourtant aujourd'hui maintiennent l'équilibre climatique grâce à leurs forêts. La COP28 ne va pas changer d'un coup la situation de la population congolaise, mais le vœu de plus d'un Congolais est de voir ses assises mobiliser assez de moyens pour les RDC en contrepartie de sacrifices que le pays doit consentir à protéger ses ressources forestières pour le bien de toute l'humanité. Ce que on peut souhaiter, assez de financement pour les pays comme la RDC qui doivent lutter contre le changement climatique, avec des projets d'atténuation et des projets d'adaptation. Les pertes et dommages, il faut avoir un système d'assurance très avancé où il y a beaucoup de financement des assureurs parce que ça ne sera pas des dons. Donc là, c'est également un grand défi. Si la RDC s'attend à recevoir quelque chose de ces finances-là qui se mettent en place pour appuyer la lutte contre les pertes et dommages. Parce que la RDC souffre déjà pour réunir les moyens
pour l'atténuation et l'adaptation. Au-delà de tout, les assises de Dubaï constituent pour la République démocratique du Congo une opportunité supplémentaire afin d'affirmer son leadership régional, africain et mondial sur les questions relatives à la lutte contre les changements climatiques conformément au programme d'action du gouvernement pour la période 2019-2020. Le gouvernement devra activer toutes les stratégies pour arracher de fonds nécessaires afin de soulager les populations vivant essentiellement des activités qui causent la déforestation. La semaine, les patriotes Wazalendo a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il était question pour son comité national dirigé par le président Joseph Zagabe Mohimani de faire part du but de son existence qui est de défendre l'intérêt de la population et l'intégrité territoriale, aussi de présenter les coordonnateurs provinciaux vives de Kinshasa de cet ASBEL, Didier Ekabela Litenge. Suivez cet élément. À la presse, le comité national de l'ASBEL des patriotes Wazalendo a fait part du but de son existence aussi de son organisation. En croire le coordonnateur national des patriotes Wazalendo, Joseph Zagabe, l'ASBEL de Wazalendo regroupe toute personne de n'importe quelle tribu vivant à l'intérieur ou extérieur de la RDC, épris de paix, de bonne volonté et de bonne foi, et qui défend les intérêts de la population et l'intégrité territoriale. Qui sont les Wazalendo? Un Muzalendo ou un Wazalendo est toute personne de n'importe quelle tribu vivant en République démocratique du Congo ou à l'extérieur de notre pays. Laquelle personne a l'idée, la vision de notre devise qui est le patriotisme, la justice et la paix. Et Wazalendo est une personne éprise de paix, de bonne volonté et foi, qui n'est là que pour défendre les intérêts de la population. Le comité de l'ASBEL Patriote Wazalendo est très bien organisé. Le coordonnateur provincial vu de Kinshasa est Didier Ekabela Litenge. Rôle Nabiso na Kinshasa est allé pour mobiliser les ressources pour le patriotisme. Basé à la solidarité, la compassion, la bandeko oyo, basé au Kubunda, na est kuna porté à ta un centimètre en boucle na biso et quoi kolongwate. Tous ali koluka, l'esprit wana patriotisme, ba konzipe ba koya, basé à la kolinga mboka na biso, c'est ça Muzalendo. Muzalendo ali motoyo, alingi école na ye, alingi kita école na ye et bénéficier na bana mboka. L'ASBEL des patriotes Wazalendo ne jure que pour la paix en République démocratique du Congo et la défense de l'intégrité territoriale. La ville de Goma va accueillir à partir de janvier la conférence des évêques de pays membres de pays de Grand Lac. L'annonce a été faite ce jeudi 30 novembre à Goma par le vicaire général du diocèse de Goma lors d'une audience avec les gouverneurs militaires à l'intérim du Nord-Kivu. Le vicaire Henri, Monseigneur Henri Chiza, est au micro de notre correspondant Joël Kamara. Nous sommes venus rencontrer l'autorité provinciale en vue de préparer ensemble la venue des délégués de la conférence des évêques des pays des Grands Lacs, donc le Congo, le Rwanda et le Burundi, dans les jours à venir. Nous venons d'échanger amplement avec l'autorité provinciale pour les mesures pratiques pour accueillir ces hôtes. Et dans notre ville de Goma, et pratiquement en ce qui concerne l'accueil, les séjours, les célébrations culturelles, cultuelles qui se passeront chez nous. Et nous sommes contents parce que l'autorité provinciale nous a bien accueillis et il a enregistré cet événement dans son agenda. Le message est celui de réconfort. Et surtout pendant ces temps où encore il y a rebond de combats dans les zones de Masisi, Rutshuru,
Nous demandons à notre population d'être fort et bien de tout remettre entre les mains du Seigneur. Et en une journée d'information axée sur la lutte contre le VIH-Sida a été organisée ce jeudi 30 novembre 2023 en faveur des professionnels des médias, membres du réseau des communicateurs des questions de la population, RCP en sigle, pour la célébration de la journée mondiale de la lutte. Sida, cet été, les professionnels des médias ont été appelés à s'approprier pour cette lutte contre, pour que cette lutte plutôt arrive à éliminer cette pandémie de sida d'ici 2030. Suivez les détails dans ce reportage de Niwa Pezou. Le professionnel des médias, membre du réseau des journalistes pour des questions de la population RCP, ont pris part à une journée d'information organisée avec l'appui de ses partenaires par le programme multisectoriel de lutte contre les SIDA, PNMLS, en prélude de la journée mondiale de lutte contre les SIDA célébrée le 1er décembre de chaque année. Ici est de noter que la 35e édition de la Journée mondiale de lutte contre les SIDA 2023 a pour thème, au niveau national, ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre le VIH-SIDA d'ici 2030. L'objectif de cette activité était d'amener les chevaliers de la plume à s'approprier cette lutte afin de bannir la discrimination et la stigmatisation à l'endroit des personnes infectées par le VIH-Sida. Adonis Bopé, coordonnateur du RCP, a dans son intervention martelé sur le rôle des médias dans la lutte contre les SIDA. Le geste autour du VIH qui tue, ça, je suis dans la logique des visions. Béjou a parlé de l'appropriation. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est l'appropriation dans un leadership collectif assumé par tous dans le média. Pour sa part, Dr Aimé Mboyo, directeur national du programme national de lutte contre les SIDA, PNMLS, s'est exprimé en ces termes. La SIDA fait partie, n'est-ce pas, ou est prise en compte parmi les objectifs de développement durable. L'ODD 3 met notamment l'accent sur la nécessité de mettre fin au SIDA d'ici à 2030. Mais pour parvenir à réaliser cette cible de l'ODD 3, l'ONU SIDA, avec l'ensemble des partenaires, se sont fixés des objectifs stratégiques. Il y en a 5, dont 3 axés principalement sur le traitement et 2 autres. Les journalistes sont appelés donc, à travers leur travail au quotidien, à participer et de s'engager dans cette lutte contre le VIH-Sida, afin de sauver des vies. Mesdames et messieurs, ce journal